Avez-vous jamais regardé un visage? Vous allez me dire, mais il est fou ce père Boulade. Mais voilà des visages. Des visages. Quand on voit des visages, on ne voit pas, on ne voit rien. On voit des visages. J'ai ici un texte d'un grand poète allemand, Rainer Maria Rilke. Écoutez-le. Est-il possible que l'on dise les femmes, les enfants, les garçons, et qu'on ne se doute pas que ces mots depuis longtemps n'ont plus de pluriel, qu'ils n'ont qu'infiniment de singulier. Les hommes, les femmes, les visages, on ne met pas l'homme au pluriel. Tant qu'on ne fait pas attention à ce visage, à ce regard, à ces yeux, l'homme devient une grande abstraction. J'aime les hommes, tu n'aimes personne. J'aime l'humanité, tu n'aimes personne parce que tu aimes l'humanité. C'est facile d'aimer l'humanité. Mais ta femme, qui souvent t'exaspère, et ton mari qui te tape sur les nerfs, et ton enfant insupportable, et ton voisin qui fait du bruit là-haut. Ah, l'amour devient tout autre lorsqu'il s'agit du voisin, de la femme, de l'enfant, du prochain. On n'est plus dans l'abstraction. Les hommes, les femmes, les enfants. Seigneur, quand je rencontre mon frère, que je croise son regard, pour que mon jugement reste dans ta lumière, oh, donne-moi tes yeux, ô Jésus. Regardez un regard. Un regard. S'arrêter à un regard, s'arrêter à un visage, s'arrêter à un sourire. Ça, c'est aimer. Aimer, ce n'est pas un sentiment général, abstrait, impersonnel. Aimer, non. Lui, elle. C'est très facile d'aimer un bel enfant. Les enfants sont tous beaux. C'est facile. Qui n'aime pas les enfants? N'est-ce pas? C'est joli, c'est gentil un enfant. Une jolie fille. Ah, oui, bien sûr. C'est bien, une jolie fille. Facile d'aimer une jolie fille. L'amour commence lorsque la séduction n'est plus là. La beauté n'est plus là. La beauté du corps n'est plus là lorsque le regard atteint le cœur du cœur de l'homme et que l'autre devient une révélation de Dieu. Une révélation de Dieu, une épiphanie de Dieu. Au-delà de la beauté physique qui nous séduit, c'est facile d'aimer ce qui est beau. Mais ce n'est pas facile d'aimer ce qui n'est pas beau pour le rendre beau, pour le rendre aimable. Aïe, c'est là toute la différence entre Eros et Agapé. Eros. Agapé.
Agapé, c'est la découverte de l'absolu de Dieu, de la transcendance de Dieu dans l'autre. Le prochain, le quelconque, l'étranger, l'inconnu, le voisin, le prochain. Ça, c'est le test. Et aujourd'hui, vous avez eu dans la première lecture du Lévitique, un livre rébarbatif, un livre qui ne parle que de rites, etc., mais qui a des textes. Celui que vous avez entendu, « Je suis saint, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur, je suis saint, je suis le Seigneur. » Entre les deux, en sandwich, il y a quoi ? Entre le Seigneur, tout saint, tout grand, immense, Dieu, il y a le prochain. Tu prétends aimer Dieu, tu es un menteur si tu n'aimes pas le prochain le plus proche. Et j'ai pris non seulement ce texte, mais j'ai pris tout le texte de Lévitique chapitre 19. Incroyable. Il y a quelques années, j'ai remarqué ça. Il dit quoi ? Il parle du pauvre, de l'étranger, et il ajoute « Je suis Yahvé, votre Dieu. Tu ne commettras pas de fraude contre l'autre, tu ne maudiras pas un muet, et tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle, mais tu craindras ton Dieu. Je suis Yahvé. Tu ne commettras point d'injustice. Tu ne répandras pas le sang de ton prochain. Je suis Yahvé. » Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Je suis Dieu, je suis Yahvé, je suis saint. Et entre les deux, le prochain, l'aveugle, le sourd, le pauvre, le méprisé. Ça veut dire une chose, moi le Saint, moi le Très-Haut, moi le Dieu, je suis derrière ton frère et ta sœur, le dernier des hommes. Le dernier des hommes se cache derrière lui, se cache en lui. Dieu, Dieu dans toute sa majesté, le Dieu du Sinaï, le Dieu de la théophanie, le Dieu créateur du ciel et de la terre, il est dans le regard de l'autre, dans le visage de l'autre. Pas nécessairement le bel enfant, pas nécessairement la jolie fille. Le test. Les pères de l'Église disaient, ton frère, ton Dieu. Ton frère, ton Dieu. Oui, nous sommes prêts à nous prosterner à l'Église, à faire des génuflexions, à faire des adorations, à nous courber, à faire des prostrations. Et Jésus, qu'est-ce qu'il me dit ? Va, laisse ton offrande, va te réconcilier avec ton frère, va t'occuper de ton frère. Et vous connaissez la fameuse parabole du bon samaritain. Le prêtre, il court à l'église, au temple, présenter son offrande. Et il ne voit pas l'autre. L'autre qui attend, qui hurle, qui est à moitié mort. Et le lévite, Chamas, le diacre, il court allumer les cierges, hein, préparer l'encens. Mais l'autre, Dieu, il n'a rien compris. Ils n'ont rien compris. Le danger du culte, le danger des religions, du formalisme. On croit plaire à Dieu en négligeant celui qu'on a croisé et qui avait besoin
d'une poignée de main, d'un sourire, d'une pièce, d'une attention. Je suis Yahvé. Derrière le dernier des hommes, derrière l'inconnu, l'étranger, il y a Dieu. Dieu dans toute sa majesté. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. La foi ne consiste pas à dire « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. » Je crois en Dieu incarné dans le prochain, le plus proche. Il y a un auteur juif extraordinaire, d'origine de lituanienne, qui a basé toute sa philosophie sur l'absolu de l'autre, l'absolu dans l'autre. Emmanuel Levinas. Cherchez dans Google. Emmanuel Levinas, il est mort en 95. C'est pas de la haute philosophie. Sa philosophie, c'est quoi? L'homme, l'être humain, la sacralité de l'être humain. Tout homme est une histoire sacrée. Tout homme est une histoire sacrée. Le sacré de l'Ancien Testament s'incarne dans le sacré et la sacralité de l'homme, de l'être humain, du voisin, du prochain, de l'inconnu, de l'étranger. Et nous rejoignons la deuxième lecture d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit, saint Paul ? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? Dieu ne veut pas de ces temples de pierre avec du marbre et de l'or et des décorations. On dépense des sommes folles pour faire des églises, des mosquées, des temples. Mais Dieu me dit, mon temple c'est toi, mon temple c'est lui, mon temple c'est le petit, le petit, le petit. Il n'y a pas des visages. Il y a ce visage. Toi, celui que Dieu met sur mon chemin maintenant, aujourd'hui, tout de suite, là, celui que je croise, on passe à côté. Comme je disais tout à l'heure, nous voyons des visages, des regards, des hommes, des femmes, des... Il n'y a pas de pluriel. Avec l'être humain, il n'y a pas de pluriel. Alors, là nous rejoignons l'évangile d'aujourd'hui. Vous avez appris qu'il était dit œil pour œil, dent pour dent, venge-toi. C'est ton droit, c'est la justice. Dépasse le droit, dépasse la justice. Aime. Aime qui? Ton prochain. Pire. Ton ennemi. Le test, c'est l'autre. Et non plus que l'autre. L'autre antipathique. L'autre qui est mon ennemi. L'autre qui ne me supporte pas. L'autre qui m'a fait du mal. L'autre qui me veut du mal. Aime-le. Et moi, vous avez appris qu'il a été dit, aime ton prochain et aie ton ennemi. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Ça, c'est le sommet de l'Évangile. Aimez l'ennemi. Priez pour ceux qui vous persécutent. Celui qui me persécute, j'ai envie de l'écrabouiller, de l'écraser. Aime-le. Prie pour lui. Et saint Paul dit, bénissez, ne maudissez pas. L'Évangile est déconcertant. Difficile.
L'évangile, c'est la révélation de Dieu dans l'homme. Pas seulement Jésus. Jésus, oui, Jésus, Jésus, Jésus. Il a vécu il y a 2000 ans, mais Jésus dans l'autre. Jésus dans cette personne que je ne supporte pas. Je ne vais pas donner des exemples parce que vous comprendrez de qui je parle. Mais que chacun de nous se pose la question, où en suis-je de l'Évangile? Où en suis-je du message de Jésus? Où en suis-je de l'amour? Suis-je dans Eros ou dans Agapé? Suis-je capable de découvrir dans le moindre visage d'homme le visage de Dieu dans toute sa majesté? Amen.